parti de Antibes il y a 2 jours. On a passé une nuit à la mer et donc on a fait ce transect entre Antibes et l'île d'Elbe. Voilà, donc sur la route, on a fait des montas, on a fait des CTD, des collectes d'eau et donc de l'échantillonnage. Et donc là, on vient de passer une nuit au mouillage sur l'île d'Elbe et là, on va repartir pour faire un transect sur le cap Corse, le cap au nord de la Corse, jusqu'à Calvi et un aller-retour. Au début, on avait prévu, donc on voit là, le tracé sur la carte, on avait prévu de faire un premier transect jusqu'à l'île d'Elbe et ensuite de faire toute la côte ouest de la Corse, mais vu qu'ils annoncent du gros temps pour dimanche soir et lundi sur la côte ouest, on va juste faire un aller-retour pour l'instant sur le cap nord de la Corse et ensuite se cacher à l'est pour continuer à travailler à l'est. Et donc par la suite, bon, on va improviser et affiner par rapport à la météo. Mais voir si on va avoir encore le temps de faire cette partie sur l'ouest ou si on va être obligé de contraint par la météo de rester à l'est pour ensuite descendre jusqu'à Calagonone sur la Sardaigne, qui est notre on va dire premier port d'escale où il y aura des rotations de scientifiques et un programme terrestre. Pour ce premier leg, on a pas mal de temps, c'est pour ça que ce que nous a proposé Gabi Gors, qui est le responsable scientifique, c'est beaucoup de zigzags. Ça permet vraiment de bien planifier la zone, de bien échantillonner la zone. Et sinon, le programme journalier classique, c'est 3 ou 4 montas de jour, une écoute acoustique, quelques filets à plancton, une CTD, quelques bouteilles Ninskin pour prélever de l'eau à différentes profondeurs. Et voilà. Et sinon, un filet de nuit quand on est à la mer.